Voici. Alors, messieurs, dames, pour les petites bouchées apéritives, donc ici dans le petit œuf, on est sur la panna cotta à la fève de tonka, accompagnée de l'émulsion betterave et balsamique avec le pavot bleu. Juste à côté, dans la petite cuillère en bois, c'est un dôme de foie gras avec une gelée de mûre. Sur le petit galet, on est là sur un pain soufflé comme pâte confit et maquereau grillé. Et juste à côté, dans le petit cône également, donc là on est sur l'espuma de chèvre frais de la région avec un tartare de saumon fumé maison. Bonne dégustation. Merci. Alors mesdames, messieurs, si on amuse bouche, le chef propose une espuma de patate douce agrémentée du Sainte-Maure de Touraine sec, travaillée avec la noix torréfiée et l'huile d'argan. Bon appétit. Alors ici, mesdames, messieurs, vous retrouvez les oursins. Donc là, on est sur les oursins de plongée de Concarneau. Donc travaillé avec le tartare de Saint-Jacques, la petite émulsion donc, de fenouil, accompagné également de la petite émulsion d'oursin, les langues d'oursin, et sur le dessus, le petit toast avec le caviar de Sologne. Pour madame, donc là on est sur les Saint-Jacques, cette fois-ci d'Erquy, on reste en Bretagne, avec la petite mousseline de céleri, vous retrouvez la petite tuile à l'encre de sèche, avec également la petite émulsion de jus de barde, et pour accompagner un condiment chorizo et cresson. Bon appétit. Merci. T'as déjà fait tes cheveux? Bonjour Eric. Bonjour, vous allez bien? La forme? Ça va. Impeccable. Ben, on va dresser deux lièvres. Deux lièvres, un paire d'eau, c'est parti. Allez, on y va. On mettra un peu en saucière, hein. Je vais en mettre moins. Puis... Hein, Julien. Chef. Ah, tu... Ça, ça va faire mon troisième lièvre à la Royale de... Cette année, oui. Ouais. Ah ouais. C'était où les autres? Chez Julien Perrodin. Ah oui. Donc façon Antonin Carême et puis Haute-Loire. Alors... autre façon de travailler. D'accord. Et à chaque fois, j'adore. Donc si on ne le prend pas en novembre-décembre, le lièvre à la Royale. Eh oui. Là, on ne prendra jamais. Bah non, c'est ça. Voilà, juste comme ça. Tac, tu mets un coup de tournoi là, puis on y va. Faut le faire trop de chasse, hein. Bah voilà, c'est ça. Faut en profiter, mais comme ça. Comme ça, mon épouse, si tu prends pas du perdreau de chasse en ce moment... Un petit peu de fleur aussi. Ouais, ouais, t'es nice. Normalement, il n'y a pas de plomb, cela, mais... On sait jamais, des fois, ça arrive. On n'est pas à l'abri, hein, mais... Faut toujours faire attention, effectivement. Ouais. Un gibier à plume... Alors, regarde, là, cette année, on change tous les ans les garnitures. Là, c'est des pâtes fraîches. Hein, on les fait tous les jours. Bien. En général, tout le monde aime ça. C'est un que j'aime bien. Ouais, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est peut-être... Alors, ce qui paraît plus simple, est-ce qu'il va mieux? Oui, c'est vrai. Et la sauce en même temps, ça bon. Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est un plat vraiment en sauce, on aime bien les pâtes sauce. Ah, encore, c'est les premières truffes méa de ce forum. Vraiment... Elles sont de la région ou... Elles sont pareil, là, du nord du département, là. Je suis le Doucino. On m'a dit que. Il paraît que c'est une bonne saison. Bah ouais, pourtant c'était mal engagé au début, d'après ce que j'ai ouais, moi, pensais que le mois d'août a été très sec et moi, apparemment il faut de la pluie au mois d'août pour. Oui, c'est pour avoir une bonne saison. Donc, et au total, on m'a dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit non, c'est. Ça sera vachement bien cette année. Bon, bah c'est bien. Bon, ils ont arrosé aussi, d'après ce que je sais. Peut-être. Ils ont pas mal de qualité. On y va, oui, s'il te plaît, de lièvre.
passer. Alors vous retrouvez ici, madame, monsieur, le lièvre à la royale, donc voilà, travaillé façon Antonin Carême, donc complètement désossé, garni d'une farce lièvre foie gras qui cuit 12 heures, c'est vraiment très fondant. Et la sauce, elle est travaillée en réduction, donc c'est pour ça qu'elle a cette couleur très marquée, vraiment très concentrée. Sur le dessus, on est sur la truffe, la mélanosporum, la truffe noire, ça y est, c'est le début. On arrive à en avoir. Et vous retrouvez également donc les tagliatelles fraîches maison à la truffe, également avec un petit râpé de châtaigne sur le dessus. Et pour madame, donc le perdreau de chasse française, qui lui est cuit en deux cuissons avec le suprême basse température. Les cuisses donc confites. Vous retrouvez également le raisin poché dans un consommé à la citronnelle, et donc accompagné également une petite julienne de truffe sur le dessus. Et le jus est un jus de perdreau au baie de Genièvre. Bien sûr, notre spécialité maison qui n'a pas changé, la petite pomme purée qui est accompagnée du lait ribot, donc entre le lait et la crème fraîche. Voici, c'est un lait entier fermenté qui nous vient de Bretagne. Ici, vous retrouverez également la petite sauce pour accompagner le lièvre à la royale par la suite. Bon appétit! Merci. Et les dandies vendaient aussi. Facile avec la coque au chocolat blanc. Moi je trouve ça mieux, déjà beaucoup plus simple pour nous, déjà parce que le sucre soufflé est beaucoup de pertes. Voilà, ouais. Pas évident de faire tous pareil. Ça, ah, moi, je l'avais vu fait par Nicolas Mouton il y a. C'était en 2012, il y a 6 ans. Il l'a passé au four pour le. Il l'a passé à la, enfin, à la salamande plutôt pour lui donner un aspect brillant. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, au départ, moi j'avais cru que c'était un vrai citron. Ah ouais, c'est bon. Tellement c'était. Ouais, c'était. Il n'y en avait pas encore beaucoup qui préparaient ouais, ça. Ouais. Ça m'avait étonné. Et après, j'avais découvert que c'était une coque en chocolat. Ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Alors donc pour madame, on est ici sur le citron, donc travaillé en coque de chocolat blanc avec un insert de citron confit, et vous retrouvez également un sorbet citron éteint. Pour madame, on est ici sur la poire du Val de Loire, donc qui est caramélisée, travaillé avec la tuile craquante au sucre roux, le rapadura. Vous retrouvez l'espumade de riz au lait et les sorbets poires. Et sur le dessus, c'est la petite meringue au poivre blanc de Panja. Ici, on est donc sur le chocolat Valrhona, donc le 53%, qui n'est pas très amer, mais vraiment très parfumé, avec le craquant chocolat, le petit crémeux chocolat fève de Tonka, en dessous un biscuit chocolat, et donc vous retrouvez sur le dessus l'espuma à l'estragon avec un sorbet à l'estragon. Pour les milliardises, donc les petits macarons framboise chocolat, les petites sucettes cassis et chocolat, et vous retrouvez également les petites guimauves à la verveine. Oh, merci. Merci beaucoup.